dans ce nouveau Cédric Oski, c'est le sixième épisode. On est aujourd'hui à Valoir, en Maurienne. Alors je vous laisse admirer tout de suite le départ des télécabines de la CETAS. Nous voici. Voilà, et Valoir, illuminé depuis quelques heures. Côté, je vais vous faire profiter un peu de la montée en direction du sommet de la CETAS. On est en semaine d'ouverture sur le site de la CETAS. Il y a déjà eu une préouverture la semaine dernière. Et aujourd'hui s'ouvre le massif de la CETAS en attendant le reste du domaine la semaine prochaine, le début des vacances de Noël. Alors, 1600 mètres d'altitude à Valoir, un petit peu plus haut maintenant. Et on a déjà de belles conditions de neige. Voilà. Je vous laisse admirer un petit peu. La qualité de l'ensoleillement et la journée magnifique qui s'offre à nous. Voilà. Voilà, et puis des pistes impeccablement préparées par la SEM Valoir qui, franchement, a assuré avec les canons à neige, la neige naturelle qui est tombée, malgré un petit redout, il y a quand même eu une belle petite chute là ces derniers jours. Voilà, et puis je vous fais profiter de cette montée en télécabine puisqu'il s'agirait d'une des dernières saisons de cet appareil en prévision de remplacement. Voilà, il y a un nouveau télécabine 10 places qui va s'installer à la place très bientôt. Les appels d'offres ont été lancés, je crois. Il me semble que j'ai vu paraître quelques articles dans le journal, dans le Dauphiné Libéré. Donc voilà, voilà, je vous laisse profiter de Valoir. Et puis un petit peu plus bas, la montagne au fond, la Grande Roche, là, la Croix des Têtes. Et je rappelle que c'est le plus grand massif calcaire d'Europe. Très connu des grimpeurs, spéléo, wingsuit, etc. Hein. Tous les sports un peu extrêmes s'y rassemblent. Voilà. Bon, c'est une deuxième ouverture, donc après le week-end dernier, donc assez calme, hein, malgré tout. Mais de bons skieurs quand même, hein. On constate que les gens, ça skie. Voilà. Voilà, on est au mois de décembre, période fraîche. Le massif de la CETAS, il est encore un petit peu à l'ombre le matin. Voilà, mais ça n'empêche pas que les gens, ils y vont, ça skie. Voilà, je vous laisse regarder ces quelques skieurs là qui descendent en direction du télécabine. Voilà. Et puis un petit peu plus haut, le domaine, donc il est agencé avec les télésièges habituels, corne à fond, le Timel pour les débutants. Voilà, donc on a quand même de quoi faire. Et puis un départ depuis les Vernets, là d'où je viens. Voilà. Voilà, et on poursuit cette montée en direction de l'arrivée du télécabine. Voilà, avec les cabines Valoir, que je vous laisse admirer. Voilà, en pleine forêt. Un petit peu de neige sur les branches. Ça augure peut-être d'autres chutes. Je pense quand même qu'il en manque un peu. Oui, ça va arriver. Voilà. Voilà, et puis on rejoint cette descente de la CETAS, piste rouge, piste noire. Donc une partie est déjà bien aménagée. Je vous laisse admirer les filets de protection, les équipements qui sont en place. Et le soleil qui pointe son nez dans peu de temps. Voilà. Je vous laisse admirer ce domaine skiable qui vaut le détour. Le domaine skiable Galibier Tabor, hein, qui va ouvrir complètement... la veille des vacances de Noël la semaine prochaine. Voilà. Voilà. On est en décembre 2023 et franchement, il n'y a rien à redire. Voilà les amis, je vous propose un prochain épisode de Cédric Oski dans une nouvelle station des Alpes. Et je vous dis à très bientôt.